Il est 18h tout pile, vous êtes sur 01net TV comme chaque jeudi soir, place à 01 live hebdo. Bienvenue dans le débrief hebdomadaire de toute l'actualité high-tech. Salut Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir encore. Nous allons parler de l'IFI. Vous connaissez ce système de connexion à Internet par la lumière. Enfin, il y a des nouveautés dans ce domaine. Oui, tout à fait. Et puis, on vous réserve pas mal de surprises, notamment, tiens, puisqu'on parlera de l'IFI, on parlera aussi de fibre. Mmh. C'est aussi une autre manière d'aborder le très haut débit. Ça sera d'ailleurs le rendez-vous Zoom Actu de Delphine Sabatier. Ça sera dans un petit quart d'heure environ. Et puis, comme d'habitude, focus sur de nouveaux produits high-tech qui viennent d'arriver au Labo 01net. Et alors là, ce soir, on a du lourd, les amis. Nous allons, tenez-vous bien, tenter de vous faire une démo en direct. Un smartphone qui se transforme en PC. C'est à vivre ce soir en live dans 01 Live Hebdo. Ça c'est la première démonstration. La deuxième c'est qu'on va ouvrir tout à l'heure la boîte de ce Moto X Force qui vient d'arriver. Ah, t'es venu avec ta moto. C'est ça. Et en fait c'est un smartphone étonnant qui a un écran incassable, Jérôme. Je demande à voir. Je suis un spécialiste des écrans incassables. Oui, t'en as déjà cassé plusieurs, donc on verra ce que ça donne. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Bon, écoutez, soyez les bienvenus. C'est parti pour ces 30 minutes d'actualité high-tech chaque jeudi soir sur 01net TV. Mais d'abord, comme chaque jeudi soir, la question 01net Orange, ce petit sondage qu'on vous propose à propos de l'actualité. Alors allons-y, donnez-nous votre avis à propos du LiFi, à condition de connaître ce système, Internet par la lumière. Est-ce que vous y croyez? Oui, non, ou faut voir? Vous en saurez peut-être plus tout à l'heure, après les explications de notre intervenant de ce soir. Oui, Aymeric va sans doute arriver à vous convaincre, donc n'hésitez pas à voter. Et puis n'hésitez pas aussi à jouer, puisque comme chaque jeudi soir, les cadeaux s'amontent. Sur 01net TV, on vous offre, comme d'habitude, comme chaque jeudi soir, l'enceinte Bluetooth Cthulhu 2 de Divacore, une enceinte voilà, qui a tapé dans l'œil du labo et surtout dans les oreilles du labo 01net, puisque ça fait elle fait toujours partie des meilleures enceintes du moment, en tout cas pour son rapport qualité-prix. En plus, vous pouvez même vous en servir pour recharger votre smartphone, puisque elle fait office de batterie supplémentaire intégrée. Donc cette enceinte Divacore Cthulhu 2, on vous l'offre, avec en plus, les amis, aujourd'hui, on rajoute ça. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans l'escarcelle? Regardez. Et oui, c'est Star Wars Battlefront, mais version Xbox One. C'est le Père Noël. Voilà, on vous a offert la version PlayStation 4 cette semaine. On rajoute avec l'enceinte Cthulhu 2 la version Xbox One de ce jeu d'Electronic Arts tant attendu. On remercie Electronic Arts et Aymeric Simon aussi. Voilà. Voilà, donc pour jouer, une seule adresse, et pour voter également d'ailleurs au sondage du jour, www.01nettv.com. Et sinon, comme d'habitude, pour interagir, poser vos questions, faire vos commentaires, vos remarques en direct, ça c'est sur Twitter que ça se passe, hashtag 01live. Et ça commence bien puisque Lucien nous fait un petit coucou. Bah, salut à toi Lucien, salut, merci Lucien de nous suivre. N'hésitez pas, hashtag 01live. Aymeric Siméon, bonsoir. Bonsoir. Aymeric Siméon qui est journaliste à 01net.com, vous le savez bien évidemment, et qui nous a parlé cette semaine sur 01net, justement, d'une technologie assez étonnante, hein, Jérôme, qu'on avait découverte il y a quelques temps de cela. Il s'agit du LiFi. Alors nous n'irons pas par quatre chemins, Aymeric. Oui. Le LiFi, Kesako. Qu'est-ce que c'est? Le LiFi, en fait, c'est une technologie qui remonte à 2011, à peu près, hein, les prémices 2011. Et alors, qu'est-ce que c'est? Tout bêtement, c'est le fait de pouvoir transférer des données sans fil par la lumière. Alors vous allez me dire, ça ressemble un peu à la fibre optique. Eh ben, ce serait un peu le pendant de la fibre optique. Voilà, la fibre optique est, enfin comment dire, la fibre optique est au filaire, ce que le LiFi est au sans fil. Voilà. D'accord. Donc grosso modo, c'est le fait de pouvoir transférer à très haut débit, très haute vitesse, des données, mais via la lumière. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'onde lumineuse qui, en plus de donner de la lumière, permet d'échanger des données Internet. Voilà, c'est enfin, ça. C'est-à-dire que le Wi-Fi aujourd'hui, ça se base sur le spectre radio. Oui. Alors que le LiFi se base sur le spectre de couleurs, mmh. et notamment le spectre compris entre les couleurs bleu et rouge. D'accord. Voilà. En fait, il y a des petites impulsions c'est qui ça, correspondent voilà. à des 0 et des 1. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert de LED, donc parce que c'est pas n'importe quelle ampoule, oui. hein, a priori, quand même, hein, on va quand même le rappeler. C'est-à-dire que c'est pas l'ampoule qu'on va lâcher au supermarché. quand même des ampoules un peu particulières, mais qui sont basées sur une technologie LED, donc les petites lumières... voilà, les diodes. Voilà, les fait. Diodes. Ouais, c'est vrai qu'on fait ce qu'on veut avec des diodes, si on met de l'électronique derrière. Tout à fait, voilà. Et là, en fait, les diodes
pulse finalement à un rythme effréné qui est imperceptible en fait par l'œil. Ouais. Et en fait, on se sert justement de ces pulsions, de ces pulsations pour faire passer des données. Ouais, parce que les pulsions, c'est autre chose. Hein. Oui, aussi. Ça, c'est ce que j'ai quand je vois le jeu sur les pulsions de gamer. Les pulsions lumineuses. Ouais. C'est ça. Le Li-Fi, c'est très directionnel. Il faut vraiment être sous le signal. Alors pour l'instant, contrairement au Wi-Fi. Au Wi-Fi qui se propage en fait sur des ondes. Le Li-Fi, pour l'instant, c'est effectivement, on est soumis finalement au spectre lumineux, l'angle d'ouverture des LED. Alors, il y a eu quelques avancées sur le sujet. Il y a eu quelques démos qui ont été faites notamment à la Défense, donc dans notre bon vieux hexagone. Mais surtout là, il y a une start-up estonienne qui a mis en pratique en fait le Li-Fi et qui est arrivée à déployer la solution dans des milieux dits de bureaux et industriels. Et ils sont arrivés à des débits qui montent à 8 gigas. Donc c'est quand même pas mal. 8 gigabits seconde. Ouais. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Alors ça, c'était les données du Wi-Fi, du Li-Fi, on va s'y perdre, du Li-Fi, il y a 2 ans dans les labos, on arrivait à peu près à ça. Là, aujourd'hui, dans la vie vraie, donc sortie du labo, hop, on a pris la petite techno, on l'a emmenée sur le terrain. Hop, c'est ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir en pratique. Mais il faut un équipement compatible. Tout à fait, il faut un équipement compatible. Donc il faut déjà des diodes compatibles, mais il faut aussi un récepteur compatible, bien sûr, pour l'instant. C'est pas aussi finalement simple que l'est le Wi-Fi qui est devenu le Wi-Fi aujourd'hui. Oui, mais parce que c'est pas encore vraiment industrialisé. Tout à fait. En fait. Mais on peut parier assez rapidement que dans les années à venir, peut-être que c'est une technologie qui va se démocratiser parce que en plus d'être finalement moins gourmande et peut-être moins nocive pour les ondes, c'est une techno qui est aussi bien plus sécurisée que les Wi-Fi, puisque jusqu'à présent, la lumière ne passe pas au travers des murs. Oui, la portée est très courte. Voilà, donc comme la portée est courte, eh bien, ça permettrait de pouvoir finalement sécuriser des données assez importantes. On pourrait très bien imaginer un scénario où je me mets sous ma lampe, j'ai une connexion sécurisée. Et puis, comme il n'y a personne d'autre que moi sur cette connexion sécurisée, j'envoie des données sécurisées. Si je suis agent secret, c'est pratique. Voilà, c'est ça. James Bond, ça se trouve pas. C'est pratique ou c'est pas pratique. C'est-à-dire que si tu es agent secret que tu dois espionner des ennemis, tu peux pas. Parce qu'avant, tu te mettais en bas dans une voiture avec des antennes, etc. en planque, tu pouvais intercepter des connexions Wi-Fi. Ouais. Là, tu peux plus. Voilà. Donc ça c'était les avancées en fait en la matière. Voilà, on sait quand ça pourrait sortir, que ça pourrait arriver dans le commerce. Il y a pas très longtemps, il y a un papier sur 01net qui était sorti qui disait 2016, ça va commencer à arriver en 2016. Je pense que c'est peut-être un tout petit peu optimiste, mais je pense très clairement que d'ici 2020. Ouais. On peut espérer pour que ce soit là. Et en plus, le Li-Fi n'a pas vocation à remplacer le Wi-Fi, mais à plutôt venir en complément. En complément, c'est ça. C'est-à-dire que on pourrait très bien imaginer que dans 30 ans, on est juste à passer le PC sous la lampe et puis on se connecter. Mais le Wi-Fi a encore des belles années. Il y aura plus de PC dans 30 ans. Oui, on sera complètement connecté en fait. Mais le Wi-Fi a encore de belles années devant lui. C'est-à-dire que ça ne va pas remplacer le Wi-Fi, ça va juste venir en complément. Voilà. D'accord. Surtout dans les entreprises. Oui. Et puis il faut rappeler que les appareils doivent être compatibles. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos smartphones, nos tablettes, nos PC ne sont pas du tout compatibles. Non, puis en plus, un récepteur Li-Fi, c'est un gros machin. Tout à fait. Alors, comme ça pour demain, on pourrait très bien penser ou imaginer que finalement, la webcam qui est en frontale de notre smartphone puisse être un capteur Li-Fi. Oui, bien sûr. Et puis capte la lumière et nous donne de la data, enfin des données, etc. Enfin, juste préciser quand même que aujourd'hui, pour donner une idée, les quelques tests Li-Fi qui ont été menés à bien, c'est 100 fois plus rapide en débit que ce qu'on a avec du Wi-Fi AC. Donc la dernière génération de Wi-Fi qui est dans nos machines, smartphones et tout. Il y a des questions un petit peu, je vois sur Twitter, sur YouTube également, concernant les questionnements par rapport aux effets sur le corps humain, sur la santé. Alors c'est vrai, tu le disais, Aymeric, il n'y a pas d'onde. Mais en revanche, c'est la lumière bleue, la fameuse lumière bleue des LED, à propos de laquelle on a quand même quelques interrogations aujourd'hui. Déjà, c'est pas bon pour le sommeil. Voilà ce que j'allais dire. Effectivement, comme c'est une lumière qu'on a sur les tablettes ou sur certaines liseuses, par exemple, je me souviens qu'il y avait eu un peu de polémique autour de ça, on conseillait de pas forcément regarder la tablette ou la liseuse avant de dormir, parce que la lumière bleue justement maintenait le cerveau en activité, lui envoyait finalement des ondes, des messages de réveil. Et donc on n'arrivait pas à dormir, etc. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore un peu d'interrogation médicale à avoir par rapport à cela. Mais a priori, c'est quand même un tantinet moins nocif
que de se prendre des ondes 4G Wi-Fi dans la tête, comme on s'en prend aujourd'hui. La 4G, si tu es assis au pied de l'antenne, c'est pas bon. Mais c'est bon, ça. Après, voilà. Là où on la consomme habituellement. Tout à fait. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on vous interroge sur le Li-Fi. Ce soir, vous pouvez bien réagir à notre petit sondage que voici. Alors, justement, Internet par la lumière, donc par le Li-Fi, vous y croyez? Oui, non, faut voir. N'hésitez pas à réagir. Eh ben écoute, on va faire un point. On fait un point tout de suite. On va faire un point dans une demi-seconde, n'est-ce pas? Pour tout vous dire, on est à plus de 64% pour l'instant. Oui. Donc on voit que c'est une technologie qui vous séduit. En tout cas, Aymeric a réussi à nous convaincre. Ouais, super. Vrai. On va voir ce que ça donne, bien sûr. Mais moi, ce qui me fait. Enfin, ça me fait penser à un truc, c'est qu'on parle beaucoup aussi d'énergie solaire. Voilà les résultats du sondage. Demain, on peut imaginer peut-être une espèce de tablette qui ne fonctionnerait en fait que à la lumière, en fait. Peut-être. Qui s'allumerait à la lumière et qui serait connectée. Justement, qui se connecterait par la lumière, qui se rechargerait par la lumière. Oui, alors ceci près que il faudrait arriver à filtrer finalement juste les parties du spectre du soleil pour alimenter le récepteur Li-Fi, puisque comme je disais tout à l'heure, a priori, ce n'est que dans une certaine teinte de couleur que la technologie fonctionne. Mais pourquoi pas, on pourrait très bien l'utiliser. Parce que on si, pourrait trouver ça dans un film de science-fiction, pour tout commencer. Tout à fait, ou dans un James Bond. Dans un James Bond. Voilà. Parfait. Ça serait pas mal. Ou dans un Star Wars. Par exemple. Mais Star Wars, on est déjà bien plus loin que ça. Non, c'était pour la transition. Ah, pardon. Ne me casse pas tout mon travail. Non, je suis complètement Attends, désolé. Là, je fais un truc, mais d'enfer. Enfin, d'enfer, on peut le dire quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Ça pour vous dire que ce soir, on vous offre Où veux-tu en venir? En plus de l'enceinte Cthulhu 2 Bluetooth que nous mettons en jeu chaque jeudi, on vous offre Star Wars Battlefront version Xbox One. Et croyez-moi... C'est l'un des meilleurs jeux de l'année. Hein, ça fait partie des bons jeux de l'année, des très bons crus de la fin de l'année plus exactement. Voilà. Donc si vous voulez tenter votre chance, c'est simple. Vous allez sur 01nettv.com et sur la gauche, vous avez un petit sondage. En fait, ce n'est pas un petit sondage, c'est une petite question. Vous répondez à cette question. Si vous êtes tiré au sort, vous remporterez cette enceinte Bluetooth plus Star Wars Battlefront. Good luck. Voilà, 18h12, 01 Live Hebdo. Ça continue, on a plein de choses à vous dire. Et tout de suite, c'est Delphine Sabatier pour le Zoom Actu. Et merci beaucoup, Aymeric. Merci, Aymeric. Je vous rappelle le hashtag 01live pour réagir à l'actualité, pour revenir sur le Wi-Fi, pour parler tout à l'heure des nouveautés smartphones que nous allons vous présenter et pour réagir aussi à notre Zoom Actu avec Delphine Sabatier qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir comme chaque jeudi soir. Delphine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Delphine. Bonsoir tout le monde. On était dans le Li-Fi, on va parler de fibres et de fibres optiques. Alors ça c'est beaucoup plus concret, ça existe. Et notre ministre... Ça fait longtemps malheureusement. Oui, ça fait longtemps mais ça tout le monde n'y a pas accès. Et qu'on l'attend toujours. Et alors, ça pourrait peut-être bouger puisque Axel Le Maire, donc la secrétaire d'État au numérique, a lancé une idée il y a quelques jours, un truc qui s'appellerait le droit à la fibre optique. De quoi s'agit-il? Oui, alors le droit à la fibre optique, ça existe déjà dans la loi. Donc ça veut dire que ça permet à tout à chacun de bénéficier d'un pré-raccordement à la fibre optique dans son immeuble et que ça doit être accepté par défaut. Ce que dit c'est Axel Le Maire... C'est un peu comme le droit à l'antenne à l'époque. Hein, exactement, c'est la même chose. C'est dans la LME, la loi de modernisation de l'économie, c'est apparu. Donc ça date quand même de 2008, tout ça. Hein. Ce que dit Axel Le Maire, d'après nos confrères de Next Impact qui assistaient à un colloque, c'est que l'idéal, ce serait qu'on puisse avoir ce droit sans passer par la copropriété quand on est locataire. Ah donc oui. Là, vous imaginez, ça devient un petit peu compliqué. Donc on a fait, on a fait confirmer cette information par le secrétariat d'État qui ont dit oui, tout à fait, elle a raison, Axel Le Maire, c'est absolument ça qu'il faut faire. Ok, alors maintenant, comment donc on a appelé l'association des copropriétés et copropriétaires qui ont bien rigolé en nous disant de toute façon, c'est impossible de ne pas passer par nous puisque pour installer la fibre, il faut avoir accès aux parties communes. Et parties communes, eh ben, c'est nous. Eh bien oui. Voilà, donc... Alors comment peut faire Axel Le Maire justement pour passer outre ce problème? Parce que le syndic et les copropriétés, ça rigole pas. Hein, c'est pas des rigolos. Pour de temps en temps les... Enfin on en fait partie parfois, mais... tester, mais c'est pas génial. C'est une ambiance particulière. C'est vrai. Alors ça c'est un mystère, comment elle veut faire. En fait, je me demande plutôt si elle n'a pas essayé de chercher de faire un rappel à la loi, justement que tout le monde a sans doute oublié. Et puis ce qui peut être envisagé, ce qui est prévu notamment dans la loi Macron, c'est un allègement de la procédure. C'est-à-dire que au lieu de passer...
absolument par la copropriété. La copropriété peut donner un mandat au conseil syndical ou au syndic qui, lui, va pouvoir prendre la décision, donc du coup, beaucoup plus rapidement de quel opérateur on choisit de faire rentrer dans l'immeuble. Mais au final, il y a quand même toujours un contrat qui doit être signé entre la copropriété et l'opérateur. Ouais. Mais en fait, pourquoi est-ce que les copropriétés voudraient s'opposer à la fibre? Alors, ça, c'est un peu la grande question. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre. Il n'y a pas de bonne raison, a priori. La seule raison valable, ce serait les travaux. C'est vrai que installer la fibre optique ou faire un pré-raccordement à la fibre optique, ça engage des travaux. Donc, il faut consulter quand même énormément des opérateurs de fibre optique, mais oui, ça, c'est un autre problème, mais... des opérateurs de fibre optique qui sont en plus potentiellement raccordés à l'immeuble, donc ça limite encore plus le choix, et leur demander quelles sont les conditions des travaux, quels sont les délais, quel est le contrat aussi de maintenance, parce qu'il faut savoir que l'opérateur est entièrement responsable de tout. Mmh. Et pourquoi je vous dis que je ne vois pas pourquoi les copropriétés devraient refuser la fibre, c'est qu'il n'y a aucun frais. Il n'y a aucun frais, il n'y a aucun engagement. Oui, bien sûr, ce sont tout les opérateurs qui supportent tout est pris à la charge de l'opérateur. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et vous pouvez, vous, en tant que même locataire, imposer à votre copropriété d'avoir un pré-raccordement à la fibre optique. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire que même si votre immeuble est raccordé, vous n'êtes pas obligé de souscrire à un abonnement. Donc il n'y a vraiment, a priori, aucun frein. Mmh. Ce qui va être plus facile à imposer, ça va être dans les logements neufs. Donc depuis 2008, là aussi, la loi sur la modernisation de l'économie a imposé que tous les logements collectifs doivent être absolument raccordés, pré-raccordés à la fibre optique. Là, la loi Macron, à partir du 1er juillet 2016, va imposer que ce soit aussi le cas pour les logements individuels et les lotissements. Donc on va avoir Donc on va avoir l'ensemble des constructions neuves qui seront pré-raccordées d'office à la fibre optique. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. De toute façon, ils sont obligés, le gouvernement a quand même promis qu'en 2022, on serait le plan 100% raccordé. Et alors, pour vous dire, c'est vrai que quand on goûte à la fibre optique, quand on bénéficie du confort de la fibre optique, c'est un truc hallucinant. On revient pas en arrière. On revient pas en arrière. Je sais pas vous, mais moi ça fait pas longtemps. Ah, ça y est, je viens d'être oui, voilà. Ah, mais j'étais pas au courant, bravo. C'est énorme. C'est chouette. C'est énorme. Bienvenue au club. On avait des discussions. Nous, on est des vieux fibrés, nous. On avait des discussions quand même avec ma pauvre Delphine. Je souffrais beaucoup chez moi. Ah, ça y est, la fibre est arrivée, donc. Donc, j'ai découvert la télé par Internet. C'est génial, c'est super. Et quand on clique pour choisir un film qu'on a envie de regarder. Ça marche tout de suite. Bon, on n'est pas obligé d'attendre, en fait. Non, mais c'est un truc de dingue. Avant, moi, je croyais qu'il fallait attendre. Oui. Non, voilà. Donc, allez-y, la fibre optique. Il y a un petit livret qui est très bien, qui a été fait par l'ARCEP, le régulateur des télécoms. Vous envoyez ça à votre propriétaire ou votre copropriété. Donc, ça explique tout. Le résumé, c'est qu'on soit propriétaire ou locataire, si on veut la fibre chez soi, on a aujourd'hui les moyens de la faire installer. Oui, et un refus doit être justifié, légitime et sérieux. Bon, ben voilà, bon courage, il n'y a plus qu'à. Parfait. Et bienvenue dans le très haut débit, Delphine. Ah ouais, moi j'étais super ému quand la fibre est arrivée dans mon immeuble. Ah aussi, petite larme et tout. Moi j'ai fait un petit feu dans mon salon. Ah oui, moi j'ai fait la fête, le champagne, on a invité les copains, tout ça, c'était génial. Magnifique. Comment on passe au labo les copains, tu ne nous as même pas invités. Non, parce que bravo. Mais vous savez quoi, on ne connaissait pas à l'époque. Bon, allez, ça suffit, on passe au labo. Allez. Et toujours ce hashtag 01 live, je vous rappelle que nous sommes en direct, il est 18h20 tout pile, et sur 01 TV, vous pouvez réagir à l'actualité, parler de la fibre. Il y a beaucoup de commentaires sur la fibre, d'ailleurs. Il y en a qui nous disent, ça fait 3 mois que j'ai la fibre, c'est génial, vive la fibre. Non, mais c'est vrai, quand on a goûté à la fibre, c'est super. Franchement, n'hésitez pas à réagir. Stéphanie Molinier nous a rejoint. Salut Stéphanie. Bonsoir François, bonsoir Jérôme. Stéphanie Molinier qui va nous faire découvrir un téléphone qui vient juste de sortir. Aujourd'hui. Le voici. Alors je vais vous le donner. Parce que franchement, autant honneur aux dames. Qui fait le déballage Stéphanie, franchement. Voyons. Regardez, déjà la boîte est jolie. On dirait plutôt une boîte de gâteau, pas trop de téléphone. C'est un Motorola. Et devant la caméra de mine de rien, chez Motorola, il y a du changement parce que c'est vrai que depuis ces derniers temps, Motorola nous avait habitués à de l'entrée de gamme, à du moyen de gamme.
On peut dire là, Stéphanie, que tu as entre les mains le premier smartphone haut de gamme de Motorola. Oui, depuis un petit moment. Oui, depuis les derniers Moto X, mais qui datent un petit peu. On a eu une gamme assez récente qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais c'était plus des milieux de gamme. On avait le Moto X Play, le Moto X Style ou Style. Voilà. Selon... Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Bah, celui-ci, c'est le premier smartphone qui est équipé d'un écran incassable. Non, si. Mais oui, non, mais si, oui. Si. Non, non. Comme je l'expliquais dans mon article, c'est pas pour une fois du tout un argument marketing. C'est un vrai écran incassable. Voilà, bon, et il y a une garantie de 4 ans. Qui est proposée par, enfin qui est offerte par. Donc pas Motorola. Besoin de coque de protection. S'il m'échappe des mains, il tombe sur le trottoir, il ne se casse pas. L'écran. Ah, parce que le reste peut s'abîmer. Ah bah complètement. Il ne s'agit pas pour une fois d'un smartphone étanche. Ah. Le dernier Moto G l'était, là, c'est pas le cas. Et le boîtier attention, n'est pas. François Sorel, non mais attendez. S'empare de l'appareil. N'est pas anti-choc. Non mais Stéphanie, alors je parle sous ton. On l'appelle brise-fer. Hein. Si je prends ce téléphone et que je le jette comme ça, à une hauteur raisonnable, par alors, terre. Voilà, c'est pas le jeter, mais on le fait tomber. On le fait tomber. Comme ça arrive tous les jours. Voilà. Donc je sais pas si avec Pierre on peut faire un petit plan ou pas, Florian. Oui, on va faire ça. Bon, voilà, donc là, je me lève. Okay. Donc, elle a dit le faire tomber, pas le... Oui, pas le projeter, le... Pas le projeter, hein. J'avais oui, oui, oui. Là, je vais y aller doucement, regardez. Oh. Enfin, doucement, normalement. On peut y aller, voilà. Il a fait du bruit. Là, j'ai peur de regarder le téléphone, là, les amis, parce que ça fait quand même un sacré bruit. Non, mais... Et il n'a pas cassé. Aucun problème. Et autant vous dire que là, on est sur de la moquette. Pardon. J'ai testé sur du carrelage. Et le carrelage, c'est pas bon. Hein. Et le bruit. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, rien du tout, pas une rayure. En fait, il y a une technologie de dingue hein, dans cet écran. Oui, complètement. Hein. C'est une technologie brevetée Motorola qui s'appelle Shutter Shield. Et en fait, cette technologie, c'est tout simplement qu'il n'y a pas simplement... l'écran OLED flexible, mais il y a 5 strates, 5 couches en fait. Une couche anti-rayure, une couche polymère anti-choc. Ah oui. L'écran lui-même, on a également la partie tactile qui a été doublée, parce que ce qui lâche au plus vite en cas de choc, c'est la partie tactile. Mais moi c'est l'arrière qui me plaît le plus. Et on a aussi une couche en aluminium pour... rigidifier le alors, tout. 4 donc, 4 5, ans. 5 couches. D'accord, mais je voulais dire 4 ans de garantie, c'est-à-dire que si durant les 4 premières années, tu pètes ton écran, mais alors de manière, on va dire, accidentelle, il est fissuré. Il te le remplace gratuitement. C'est la première fois que ça arrive, ça, hein. Ça existe pas, hein. Je crois. Et après, on a des constructeurs qui ont déjà pris en charge la casse de l'écran. Mais pas sur 4 ans. Pas sur 4 ans. Mais c'était un cas différent, c'était une sorte de. Ça dit sur 4 ans ou sur 2 mois, c'est pareil. S'il est résistant, il ne va pas devenir moins résistant au bout de 3 ans. Tout à fait. Non, mais ça prouve que pendant 4 ans, ils garantissent en fait la solidité de l'écran. C'est pas mal. Et alors, il a d'autres spécificités malgré tout. C'est un téléphone haut de gamme. Alors, c'est un téléphone haut de gamme, tout à fait. Donc, on a un écran 5,4 pouces qui est Quad HD. Hein, donc, c'est quand même une très haute définition. Donc, ça fait une résolution de 500... 40 sympa ce que tu nous montres là. Oui, c'est pour se connecter au Wi-Fi de Dex Radio. Non, donc mais c'est cool. C'est pas mal comme fond d'écran. Ce qui fait un petit peu plus peur, c'est que l'appareil en fait est équipé du processeur Snapdragon 810. Celui-là même qui a tendance à être tellement puissant qu'il fait chauffer le téléphone et qui réduit un peu l'endurance. 48 heures d'autonomie, c'est vrai ou pas? Alors, ça c'est ce qu'annonce Motorola. Ils annoncent 48 heures d'autonomie. On les attend. Et ils annoncent un truc aussi rigolo, c'est qu'avec un chargeur spécifique, on peut recharger en 15 minutes le téléphone pour avoir après 13 heures d'autonomie. Voilà. Et ça, c'est pas mal aussi. Alors en fait, quand ils ont deux. Il y a deux choses. Il y a la techno Qualcomm de charge rapide sur ce téléphone. Et après, il y a aussi des améliorations qui ont été apportées par Motorola. Notamment, ils fournissent un chargeur 25 watts qui permet de recharger très très rapidement le smartphone. Et l'excellente question de Yoni Pilot sur Twitter, combien ça coûte? Oula. Alors là, attention, accroche-toi. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est... Ah zut alors. C'est à ce point-là. Ah bah oui. C'est un smartphone haut de gamme, 699 euros. Ah oui, d'accord. Ah, quand même. C'est... Oui, voilà. Enfin, en même temps, j'ai pas besoin d'avoir un budget coque, du coup.
Non, t'as pas coque de protection. Éventuellement pour éviter d'abîmer l'arrière. Mais bon, là, sur le modèle standard, on a ils appellent ça un revêtement nylon balistique. Ouais, non, mais c'est assez. Ouais, on dirait ça fait un peu gilet pare-balles. Je pense pas que ça s'abîme énormément. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement abîmer, c'est la structure, le tour du téléphone qui est en métal. Ça, on peut toujours l'oreiller. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà pour ce Moto X qui pour l'instant, alors donc c'est le Force, qui est pour l'instant disponible que sur Amazon. Hein. Voilà, il arrivera en décembre chez Motorola avec des personnalisations, coque en cuir, etc. etc. Bon, bah on aura l'occasion d'en reparler. Merci Stéphanie. Merci. Merci Stéphanie. Alors évidemment, on l'a reçu là il y a quelques minutes. Il va maintenant subir tous les tests, toute la batterie de tests que Stéphanie fait sévir donc à ses smartphones. Tout à fait. Merci Stéphanie. Merci. Bon, un autre smartphone. Alors là, un autre smartphone. Je sais pas si vous voyez, mais sur cette table, c'est un peu la pagaille. Il y a des fils partout. Attendez. On se croirait sur le bureau de Jérôme. Ouais, c'est terrifiant. Hein. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Non, mais pourquoi ? Pourquoi tous ces fils ? Pourquoi tous ces fils ? D'abord, parlons du téléphone lui-même. Voilà. Il vient d'arriver, on en avait parlé quand il avait été annoncé. C'est le nouveau Lumia 950. Alors ça, c'est le grand d'ailleurs, parce qu'en fait, il y en a deux. Il y a le 950 et le 950 XL. Oui. Voilà. Il y a trop de caméras dans ce studio, c'est on ne sait jamais. Bah oui, 480 caméras en même temps, après au bout d'un moment, on a mal à la tête. On ne sait plus trop. Voilà. Bon, on va pas s'étendre sur les specs, etc. du 950. C'est on un téléphone haut de gamme avec un bel écran, bon capteur photo, etc. Voilà. C'est du Lumia, hein, on est rarement déçu. Sous Windows et sous Windows 10. En plus. Windows 10, bah oui, voilà. Et la particularité, c'est qu'il a donc cette fonction qui nous avait impressionné lorsqu'elle avait été présentée lors de la keynote, à l'occasion de la keynote de Microsoft. C'est la fonction Continuum qui permet de transformer ce smartphone en PC, en vrai PC. Allez, vas-y, démo. Comment ? Eh bien, grâce à la petite boîte qui est là. Cette petite boîte, bon, qui est vendue à part, hein, il faut le rappeler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de câbles, effectivement. C'est un petit hub, en quelque sorte, sur lequel vous allez brancher votre télé. Voilà, je branche. Votre smartphone. Ça, et en normalement. USB-C, hein, alors, c'est en USB-C. Florian, est-ce que tu as le signal, Florian ? Oui, est-ce que tu peux nous montrer ce que ça donne ? Parce que moi, j'ai la souris, je suis prêt, là. Hein. Ça marche ou pas ? Attends, il faut le déverrouiller, là, ça va marcher. Oui, il faut le déverrouiller. Alors, regardez ce que vous voyez, là. Là, vous voyez un bureau Windows, mais en fait, c'est le bureau du téléphone, les amis. C'est quand même impressionnant, voilà. Le menu démarré. Ah, ça marche plus. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as encore touché sur le déverrouiller. Oh, mais c'est pas possible, ça. Mais il faut le déverrouiller. Ah, ça marchait bon, très bien voilà. pendant la démo de donc test. Voilà, et là, avec ma petite souris, je peux donc aller dans les menus, etc. Bon, je sais pas pourquoi, de temps en temps, il se bloque. Ouais. Et l'idée, c'est que, vous savez, Jérôme Bonaldi, sors de ce corps. Je t'en prie. Donc vous avez un vrai PC avec à l'intérieur donc Office. Hein, donc vous allez pouvoir travailler. Il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint, etc. Démarrer. Mais j'ai peur parce qu'à chaque fois que j'y vais, ça coupe. Non. Voilà, là c'est bon. Et voilà. Mais t'as encore touché un truc. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais enfin. Bon, normalement ça marche. Là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Quoi ? Attendez, hop là. Voilà, tu touches à rien. Non, je touche à rien. Non mais tu touches à quelque chose, c'est pas possible. Attends, j'ai compris. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait ? Ah, là tu le fais avec ton truc ? Voilà, et là, on va abandonner ta souris. Oui. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, normalement, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Bon. Non, ça c'est un moment de solitude, si vous voulez, télévisuel. Mais ça marchait super quand bien tout à l'heure. Il y a plus rien qui fonctionne. Et voilà. Mais donc l'idée, c'est que, parce qu'on nous a fait une démo tout à l'heure, ça marchait nickel. Ah oui, ça marchait nickel. Non, ça marche plus. Xavier, merci. D'ailleurs, je te dédicace ce petit passage. Là, je suis dans les menus, là, j'en ai pour 20 minutes. Vous pouvez regarder un film sur un écran de télé, par exemple. Vous pouvez travailler, puisque vous avez la suite Office. Et il faut malgré tout des applis Xavier, qui soient sur Twitter, comment il faut faire qui soient compatibles Continuum. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais ça commence à arriver. Et c'est plutôt sympa quand ça fonctionne. Mais là, je pense qu'il y a peut-être un truc qu'on maîtrise pas, mais c'est bizarre, d'un coup, ça... C'est un peu compliqué coupe. Ce qu'on fait aussi. Non, mais attends, parce qu'en fait... On a violenté le signal. J'ai compris le système. Voilà, là ça va marcher, Florian. Tu dois voir l'écran, je pense. Mais ce que je comprends pas. Ah, j'adore. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, tu peux par exemple regarder un film ou surfer sur le web, etc. Enfin, l'utiliser comme un PC. Et puis moi, je vais continuer à me servir du téléphone comme un téléphone. Si je veux passer un coup de fil ou envoyer un SMS, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'il peut faire les deux choses en même temps. Bon, voilà, cela cette dit, démo là qu'on vous montre, là, elle fonctionne. Ouais. C'est déjà pas mal. Heureusement que Florian avait prévu les images de secours. Merci. Ça pourrait en convaincre plus d'un à passer à Windows Phone. Ouais, mais alors moi, je sais pas. Franchement, mais ça marche, hein
Je trouve que l'idée est géniale. En tant que geek, voilà, ça nous fait frémir, c'est top. Maintenant, est-ce que ça a vraiment un sens? Bon, dans la pratique, l'idée, c'est, oui, vous allez pour le boulot chez un client, un rendez-vous rapide, pas besoin d'emporter votre ordinateur, vous avez tout sur votre smartphone. Je ne sais pas si vraiment c'est le genre de situation qui peut se produire très très souvent. Donc en tout cas, techniquement, c'est opérationnel et l'idée est plutôt séduisante. Maintenant, il faudra voir dans les usages. Florian voilà, fait signe que marche. Tout alors, va bien. C'est rigolo parce que et je vais sur le menu. C'est un truc que je ne comprends pas. C'est que je vais sur le menu démarrer ah ben voilà. Et là, ça coupe. Ouais, c'est vrai. Donc bon, je ne sais pas, c'est pas grave. Pas de souci. Il y a peut-être un petit bug qu'on n'arrive pas à maîtriser. À noter qu'il a aussi la fonction Hello, vous savez, cette fonction qui permet au téléphone de se réveiller simplement parce qu'il reconnaît votre visage. Comme c'est sur tous les devices Windows 10 et notamment sur les PC. Il existe en deux versions, hein. Il y a le grand et le petit. Oui, le 950 et le 950 XL. Tout à fait. Christopher Simonini nous a rejoint. Et il y a le clavier aussi. Salut, salut Jérôme, salut François. Tu as été impressionné par notre démo. Hein, hyper impressionné. Non, mais c'est l'effet démo, mais moi j'adore cette fonction. Moi. Franchement, ouais, je trouve ça c'est super. Tu la sens bien, cette fonction. Moi, je suis plus convaincu que toi quand même, Jérôme. Sur le. Je pense que c'est un truc nouveau et comme on sait qu'on peut le faire, on va le faire. Souhaitons-le. T'as même le clavier qui va avec, c'est ça que je montre à la caméra. En plus. Petit clavier Bluetooth qui se replie comme ça. C'est assez sympa. Parfait. Non, c'est une jolie idée. C'est vrai. Très Christopher. Bon, Christopher nous a rejoint. Tu es là pour nous parler des 01 Awards. Non, pas du tout. Pas du tout. Noël. Ah ben oui. C'est pas vrai. Non mais c'est vrai, Jérôme, enfin. Ça. Mais c'est vrai que les 01 Awards, on peut en reparler. Oui. Les votes sont toujours en cours. Donc je vous rappelle, les 100 meilleurs produits de l'année selon les tests du labo de 01 Net. On a établi 10 catégories, donc les 10 meilleurs de chaque catégorie. Et c'est à vous, lecteurs, internautes de 01net.com. de voter pour le meilleur de chaque catégorie. Et à la clé, vous pouvez gagner. Il y a 10 smartphones LG G4 à gagner. Donc quand même, on y va fort. Alors là, un autre concours, parce que évidemment, on s'est fait de fin d'année, on sait faire preuve de générosité sur 01net et 01net TV. Alors là, avec du Huawei, mais alors du super Huawei. Du super Huawei. Alors, Noël, ça arrive bientôt, c'est dans 3 semaines. Et donc, dès lundi, on va mettre en place sur 01net, vous allez voir, 01net se met vraiment aux couleurs de Noël avec une grosse opération, avec, pareil, dans... pour plein de catégories, des sélections, des conseils, des astuces, des idées cadeaux. En tout cas, impossible de rater son Noël high-tech avec 01net. Et pour l'occasion, on a fait un calendrier de l'Avent. Vous voyez le principe. C'est mignon. Vous avez 24 jours et donc une question par jour. Mais on ne peut pas le montrer encore. Hein. Il est pas... Non, parce que c'est secret. Mais vous allez voir, c'est hyper beau. Vous allez voir, c'est vraiment hyper sympa. Je voulais et donc vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais voilà, 24 questions qui arrivent au rythme de ces questions. On arrive jusqu'à Noël. Et là, on fait gagner 6 Huawei Mate S voilà, que j'ai entre les mains. Oh. C'est le dernier smartphone de gamme de Huawei. Il est superbe. Ouais, qui a récolté quand même 4 étoiles sur 01. Super écran. J'adore ce téléphone. Très beau, c'est l'autre gamme de Huawei. Ainsi que des montres. 650€ quand même. Ouais. Et deux Huawei Watch. Et ces deux Huawei Watch, les deux modèles à 500€. Donc voilà, on y va franchement. Et, et aussi un bracelet Talkband B2. Donc une hotte de Noël bien garnie. Et ça démarre lundi et ça dure 25 jours. D'accord. Ce sont évidemment rendez-vous lundi. Les smartphones tombés du camion, Christopher, rappelons-le. Hein, non, évidemment que non. Tout à fait. Enfin. Je plaisante bien sûr. D'ailleurs, il y a plein de vidéos de Noël qui arrivent. Ouais, oui, bien sûr. Mais vous savez qu'évidemment, on va passer en mode Noël très bientôt et vous proposer plein de petits tests, des guides d'achat pour bien choisir votre cadeau de Noël dans le domaine des smartphones, des PC, etc. Tous ces produits. Et contrairement à ce qu'on peut croire, pas que des trucs hors de prix qui coûtent un bras. Non, voilà, on a plein de sélections on à moins de 50€. Avec le top 3 des smartphones à moins de 130€. Plein de petites idées cadeaux pas chères. Il y en aura vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Et voilà. Et lundi, Jérôme a raison, hein, on a dégoté pour vous 3 smartphones à moins de 130€ qui valent vraiment le détour. Pour un premier smartphone, ça peut être vraiment une super idée. Tout à fait. Merci beaucoup, Christopher. Merci à vous. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. La question 01net orange du jour, on fait le point juste avant de se quitter. Que pensez-vous du Li-Fi, l'Internet par la lumière? Vous y croyez à presque 60% et vous êtes dubitatif, vous attendez de voir, à 27%. Pas mal. On aura l'occasion d'en reparler de ce Li-Fi. Mais c'est quand même intéressant ces résultats. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours aussi autre cadeau là dédié à 01 Live Hebdo, l'enceinte Bluetooth Cthulhu 2 de DivaCore Plus. Eh bien on rajoute Star Wars Battlefront sur Xbox One qui est là et qui est pour vous. Bonne chance. Que de vous cadeaux. Vous pouvez jouer sur 01nettv.com. Bah oui c'est Noël et on est très heureux de vous offrir des cadeaux. Ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux.
Voilà, on a un peu débordé, 18h34, c'est pas grave, on était content d'être avec vous aujourd'hui encore. Jeudi. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos camarades Benoît Thieu, qu'est-ce que je raconte, Pierre Thiolin, Florian Beaufreton et Jérôme Giliberto. Mais il y a un Benoît Thiolin qui existe et que je salue d'ailleurs. Ben voilà, aussi, donc tout va bien. On se retrouve très vite sur 01 TV. Merci de nous suivre. À bientôt.